Et c'est Melvin Jaminet qui va prendre cette tentative un peu lointaine. Il a réussi, la seule qu'il a eu à tenter la semaine dernière pour sa première sélection. Près de 50 mètres pour le jeune arrière de Perpignan. Tentative puissante aller passer entre les perches. Et comme la semaine dernière, les Français prennent le score. Australie 0, France 3. Bravo, beau sang-froid. Ah, et oui. Belle adresse de Melvin Jaminet. Avec... Marque l'information de ce début de deuxième test. C'est que le buteur des Bleus ce soir à Melbourne n'est pas Louis Carbonel, mais Melvin Jaminet en réussite au premier test 1 sur 1. Il a passé de 50 mètres sa première pénalité ce midi. C'est lui qui, 40 mètres face au poteau, va tenter de doubler le score. Melvin Jaminet, ça va passer entre les poteaux et les Bleus mènent 6 à 0. Melvin Jaminet qui n'a pas encore disputé une seule minute de top 14, mais qui est déjà au top contre les Wallets. Oui, et il est incroyablement facile hein, dans la décontraction, la façon dont il frappe ça, le ballon et dans l'efficacité aussi, puisqu'il c'est un 3 sur 3 hein, en comptant la pénalité de la semaine dernière. En haut des barres, c'est Melvin Jaminet peut-être pour un 100%. Oui, deuxième sélection. Qu'est-ce qu'il est facile. Melvin Jaminet. Les Français mènent 13 à 3. Vincent. Il a trouvé Jaminet. Alors Jaminet qui s'infiltre. Allez, 3 points à cueillir pour le buteur des Bleus. Aujourd'hui, Melvin Jaminet, le jeune arrière de Perpignan, qui découvrira le top 14 la saison prochaine avec l'USAP. Ça passe. C'est et la France reprend 10 points d'avance. Australie 6. France 16. Même routine hein, dans la façon d'aborder le tir au but. Là en amont. Alors Anthony Gelon, le capitaine. Les points, bien sûr. Les poteaux et le buteur du jour, Melvin Jaminet, s'apprête à essayer de réussir sa quatrième pénalité de la soirée australienne. Ouais, le droitier, le tortongien, Taniela Tupou, pédalisé en mêlée. Et un petit clin d'œil à Jérémy Valls du côté de Perpignan, qui est le responsable du jeu au pied à l'USAP et qui doit être ravi du comportement de son poulain. Ça va passer, poteau du milieu, la France reprend le score, 16 pour l'Australie, 19 pour les Bleus. Le gamin n'a pas disputé une seule minute de top 14, il est titulaire au niveau international contre les Wallabies, il est promu buteur de son équipe et il enquille tout ce qui passe. Melvin Jaminet, 19 pour les Français, 16 pour les Australiens. Jockey de pression de Jake Gordon. Allez, Melvin Jaminet. Il y va. C'est lancé. Melvin Jaminet, comme avec Lussa. Le crochet. Oui. Bien la continuité du jeu avec Koki. Cameroun qui a du soutien. Bien fait pour Koukou. Koukou qui va la garde. Il y avait un contre de 60 mètres. Voilà, magnifique hein, dans le timing. Quelle sûreté. Et puis il le joue parfaitement bien. Il crochette cette passe un peu acrobatique. Les bons relais des avants. Cameroun qui super bien placé. Là derrière, on pense que oui. Il a manqué un quart de seconde à Baptiste Couillou pour pouvoir servir Louis Carbonel, je crois bien. Il y avait encore Gabin Villière sur les extérieurs. Qui est déjà pas mal pour leur club, bien évidemment. Ça passe pour Jaminet. 16 pour l'Australie, 22 pour les Bleus, 6 points d'avance. Zahi Naïsarani, mais d'abord Melvin Jaminet, 100% pour l'instant. Bien tapé, ouais, ça va passer encore, entre les poteaux, le 7e coup de pied réussi par Melvin Jaminet. Australie 16, France 25. En top 14, on peut faire revenir un joueur sortir sur coaching. On ne peut pas au niveau international. Merci
de cette précision que je reçois. Regardez, regardez la frappe française avec Dantian troisième ligne qui va chercher la pénalité. Mais c'est incroyable. Avec un trois quarts centre en troisième ligne. Si ces bleus-là ne méritent pas de gagner ce deuxième test, alors ils ne le mériteront jamais. Mais c'est incroyable. Jonathan Danti, troisième ligne, Al Camandro qui seconde ligne. Et on les emporte en mêlée. Ah, et la joie normale, évidemment, de Bamba, de Romain Taufienua. Et la soupe à la grimace. Pour Dave Rény. Allez les Bleus, Galtier, Ibanez, oui on y croit avec vous, on y croit tous. Melvin Jaminet, buteur ce soir, on vous le rappelle, ce n'est pas que Louis Carbonel est démérité la semaine dernière, il avait manqué une transformation, mais Melvin Jaminet a pris le relais dès le début du match de ce deuxième test et a tout passé, tout réussi. Mais juste, Melvin Jaminet, c'est 23 ans, deuxième sélection chez les Bleus et buteur. Jamais joué en top 14, on l'a dit. La responsabilité peut-être d'aller chercher une victoire pour les Bleus en terre australienne. Allez petit. Mais c'est pas fini, ce n'est pas fini. Les Bleus reprennent le score. Australie 26, France 28.